Oh. Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Vipo. Et moi aussi. Et vous, vous êtes sur la vidéo de la fête du printemps de Vélizy-Villacoublay. Et on va vous y présenter les meilleures attractions. On commence tout de suite avec le numéro 6. C'est un top 7, Vipo s'est trompé. L'erreur est humaine, il apprend à compter. Je me félicite si je réussis ce couplet. 100% Attraction à Vélizy-Villacoublay. On y trouve de bonnes attractions, des trucs calmes et des sensations. Vous n'êtes pas prêt pour le gros top 1. Et aussi, y'a photo forain. Il est chaud, hein. Et là, en plus de créer des faux records avec ma casquette, j'ai rendez-vous avec Yann de la page Facebook Photo Forain. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il est juste là. Ah, je crois qu'il est un peu occupé. Il est en train de laver les vitres du Bing Bam Boom. C'est un palais des glaces sur deux niveaux et sous direction le Ré. Donc là, j'ai plus qu'à attendre qu'il finisse. Ah, attendez, je crois qu'il vient de finir. Ah, je vois que t'as tout rangé, ça y est. Et bonjour, et oui, c'est terminé. On va pouvoir se concentrer à nos activités. Oui. On va pas tarder à arriver à l'inauguration, il y a énormément de monde qui court vers là-bas. J'ai vu une fanfare passer tout à l'heure. Il y a une fanfare de toute qui défile. L'inauguration à la fête foraine de Vélizy-Villacoublay de 11h à midi, avec la présence du maire, la majorité des métiers sont gratuits. On va pouvoir potentiellement faire plein d'attractions gratuitement. C'est quand même privilégié pour les jeunes de Vélizy, c'est normal. Ça ramène énormément de monde dans les attractions, et notamment dans le palais du rire qui est juste là. Une très jolie façade, moi j'aime beaucoup. Et on commence tout de suite avec le numéro 7. Il s'agit du Cobra. C'est une montagne russe, c'est un roller coaster, un train sur des rails quoi. Sous direction Copier. Il est quand même assez sensationnel hein. On va jouer à un jeu ensemble. Je vais te donner une lettre et on va devoir chacun son tour donner le nom d'un manège qui commence par cette lettre. Par exemple pour le Cobra, on va jouer avec la lettre C. Donc tu vas me dire un manège qui commence par la lettre C. Crazy Fabric. Crazy Fabric, c'est une boîte à rire, parfait, c'est bon. Moi je vais dire le Crazy Space, c'est une autre boîte à rire, ça va être très long. Crazy Dance. Crazy Halloween, un train fantôme que j'adore. On a fait beaucoup de Crazy. Crazy Pirates. Crazy Kraken. Alors qu'est-ce qui t'arrive? C'est la galère. J'en ai encore tellement. Corsair. Le Crazy Jump. On va peut-être arrêter avec les Crazy, non? C'est une panne d'essence. 5 secondes. C'est la victoire de Vipo. Numéro 6, la pieuvre polype de chez Packer. Direction Van Cranes. Une pieuvre qui tient plein de petites nacelles qui vont tourner dans tous les sens. Et les wagons sont très jolis. C'est un vrai ou quoi? Je glisse, je glisse. Saute la petite bébé. Yann est en train de me tomber dessus. On va dire que la gravité est en train de faire effet. Oh là, airtime. J'ai vu arriver, je l'ai senti fort. La caméra elle a pris l'eau. Parce qu'on est dans du pierre, on est sous l'eau. La lettre P. Pirate Max. Power Max. Polypo. Le poly. Palais du rire. Palais du pirate. Pénible. J'avais le paratrope. T'es pas inspiré d'ailleurs, en parlant d'inspiration, on va tout de suite te faire inspirer par le numéro d'argent. Numéro 6, le Halloween. C'est un train fantôme du constructeur McRide. Donc t'as un chat dans la gorge. Sous direction Hirsch, il s'agit d'une maison hantée en wagon. Et pourquoi la caméra va si loin de mon visage? Vous embarquez dans des petits wagonnets pour entrer dans le noir. On va jouer maintenant avec le H. L'Himalaya. Le Halloween 2, ça compte. L'Amazonia. Non, c'est un A. Alors qu'est-ce qui t'arrive? T'as bugué? La base virale VPS a été mise à jour. On va le découvrir tous les deux et ensemble. Ah ouais? Allez, on va y aller à reculons quand même hein. C'est parti. Ok, on avance, on est toujours là, dans les zigzags. Une araignée immense. Un clown horrible. Il y a trop de feu. Vraiment un fantôme ma gueule. Alors on avance vers le prochain numéro. Oh, il y a des jeux de basket. Bref, on va prendre un peu de hauteur. Numéro 4, Avengers. Il s'agit d'un extrême de chez Fun Night, direction Lourdes. Je suis Vipo et avec Yann. Hey, ça commence tout doucement à se balancer. Voilà, voilà, on voit face au Vipo. Comme ça, quasiment 90 degrés, tout le long. On va jouer avec A. A. L'adrénaline. L'American Circus. Les Barjots. Ah, c'est très dur, c'est très dur. Allez, 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 allez. Il y avait l'Amazonia, le R1 Max. On va attaquer le podium maintenant. Ah, le podium. Numéro 3, le New Dance. Il s'agit d'un Magic Dance du fabricant Fabric Group. Sous direction Saguet. Un plateau qui va tenir 4 tourelles. Les 4 tourelles vont tourner dans un sens opposé au plateau. Yann.
Oh, il a apparu. New Dance, ça commence par un N. C'est pas une impression qui commence par N. New Corner. Niagara. Je suis pas très en forme. Le New King La Fosse. Yann. Oui. On est dans le New Dance. Mais sur des voitures légères quoi, des rotations assez violentes, très agréable. Et les coups de raquette, attention. Oh, c'est parti. Ça s'amuse. Il y a de l'ambiance, ça s'éclate là-dedans. Oui, ça c'est pour le plaisir. Ah, chigga, chigga, chigga. Dans tous les sens. Du coup, on va le prochain, c'est par là. On a vu assez de breakdance pour aujourd'hui. On se balade un peu dans la fête forêt et on découvre qu'il y a un très joli toboggan. En bas, ça fait la plage et là-haut, ça fait la mer. Il est peint, il est vraiment somptueux. Nouveauté pour la France, il nous vient tout droit d'Italie, il tourne sous direction Copier. Numéro 2, VIP Remix du constructeur Tivoli sous direction Moulin. C'est la nouveauté 2024 de la fête foraine de Vélizy Villa Coublet. C'est une pierre en version extrême avec 6 bras, particularité très rare chez Tivoli. Les tourelles vont se mettre à tourner de toute vitesse tandis que le tout, la pierre entière va tourner et les bras vont se lever à quasiment 90 degrés. Intensible s'abstenir, c'est vraiment pour les VIP. Hein. C'est un très joli métier et nous on a un jeu à faire. Yann. La lettre V, que des lettres compliquées là. Tout à l'heure, Vire la trip. Redou parti, c'est un autre remix. Je sais pas s'il s'est endormi ou s'il réfléchit. Ah. Mais moi j'enchaîne les points, ça fait trop plaisir. Hein. Je les offre. Hein. Vertical limite, petite KMG. Là je le connais, là il est déçu. Je vais couper la caméra, il va être tout gros. Absolument pas si tu fais. Arrêtez, lâchez-moi, la caméra tourne. La caméra tourne. Et d'ailleurs on va la faire tourner vers le prochain métier. Numéro 1, pouce pouce. Bon d'accord, c'est pas le pouce pouce. C'est le King Loop, un Loop Fighter Technical Park et sous direction Saguet. L'attraction peut être décrite en une balançoire qui va faire le tour complet avec des bancs qui peuvent faire des loopings. On les entend plus. Qu'est-ce qui se passe dans la tour? Oui, c'est balancé, balancé à tous les sens. Le petit son de l'unité. Yann. Oh, t'es là, t'avais pas vu le lever. La lettre K. King, Kamak, c'est un train fantôme. Je connais pas. Donc c'est moi qui ai gagné. Beaucoup de lettres compliquées. On a vraiment pas été gâtés. Hein. Les lettres ici, c'est que des lettres rares. C'est des Pokémon shiny hein, qu'on a là. Hein. On va juste faire un tout petit zoom. Voilà. Et c'est comme ça que la vidéo s'arrête. Hein. Vous m'avez gâté. T'as l'escalade Pinardo, bien sûr. Qui m'ont raté. Gros, bien sûr. Soleil dans la bulle sur le Prado, shift tempo. C'était pro, contre sens. Ma chérie, tu es à